un mec, une meuf. C'est nous. En bleu et en rose. Bonsoir. Et nous, on a un... ça fait Dark Vador. Je suis ton père. Ils savent déjà qu'ils vont être en deuil, ils vont perdre. Oh. Non, pour vous, on a un deuil pour vous. Non. Vous êtes dégoûté. Tu sais, c'est quand tu viens à un enterrement. Mais là, c'est vous-même, vous allez enterrer. Mais c'est pas l'enterrer qui est en noir. Bébé, c'est trop si. Ne réponds même pas. Tu le sais quand même, ils font de la peine. On va les éclater. Ouais, c'est ça. Alors, je vous explique le concept. On fait une vidéo donc avec Isa et son chéri. Donc, Isabelle Arnaud, si vous connaissez sur les réseaux sociaux, elle fait plein de vidéos drôles et tout. Je vous mets son Insta là, vite, qui apparaît. Petit montage. Bébé, viens voir vite, je crois qu'elle bouge. Vite, vite, vite. Viens pas, c'est pas ça. C'est pas ça, je te dis, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. L'Instagram de son chéri aussi, au passage, si vous avez envie de les suivre. Donc nous, ben, on est devenus du coup amis. Et encore plus depuis que t'as annoncé... Mon bébé. Oui. Ma fille. Parce que, et oui, parce que du coup, on discute beaucoup de ça. Nous sommes en scène toutes les deux. On était amis jusqu'ici. Enfin, eux, ils nous considéraient comme des amis. Donc, nous, on les tolère, voilà. Mais le plus important... Quoi? Parce que moi, c'est tout ce qui compte. Je vous explique ce qui compte dans cette vidéo. C'est pas qu'on soit des amis qui faisons une vidéo. C'est qu'il y a un perdant et que ce perdant, il va subir sa mère. J'ai même plus besoin de parler. Le but de ce combat, c'est un combat. C'est un fight. Il n'y a pas de ça va, c'est un fight, c'est, frère. Il a eu. On veut savoir quel couple se connaît le mieux. Ok? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans. Et nous, ça va faire 2 ans. Mais on est jeune. Ça trouve des excuses. Oui, exactement. C'est ça commence. Oui, mais nous, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Mais non, normalement, vous êtes censé gagner. Non, c'est ça. C'est ça, c'est là où il fallait en venir. Tu vois, ça c'est comme Paris. Ça parle, ça parle. Personnellement, je n'ai rien à carrer de Paris. Voilà, c'est normal. Elle se met en concurrence avec Paris. Ils sont pas là. Il y en a pas là. Bon, nous, ça fait que 2 ans, mes frères. On va les massacrer. Ok. Ok, sœur. Ah, mon nom. Pierre, feuille, ciseaux. Oh, tu commences. Tu vas y arriver, mon amour. Round 1. Fight. Quelle est ma couleur préférée? Attends, je te fais les 3 propositions. Quoi? Ah merde, pardon. Jaune. Ouais. Bleu. Ouais. Blanc. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Oui. J'ai pas écrit assez gros. Décaisse. Oui. C'était blanc, si vous l'avez pas vu. Oui. Couleur préférée. Blanc, orange, bleu. Merde! C'est ça ou pas? Ah. C'est ça. J'ai eu peur, je t'avais joué orange. Ouais. Deuxième question. Quel est mon plat préféré? Le couscous, les gnocchis, la choucroute. Ouais. Quand tu rigoles déjà, tu cries. Je sais pas, mais moi je sais. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Oh là là là! Je suis mitigé. Je suis mitigé, un truc de content, frère, et avoir peur de. Knaki, gnocchi. C'est ça? C'est écrit en russe, là. C'est ça ou pas? Yes, mon amour! Genre, c'est déjà quoi? Oui, la vie de ma mère, j'écris. Ah, la triche! Vas-y! La triche! Couscous, paella, lasagne. Oh là là! Parce que okay. Je l'ai fait divinement bien. Italienne ou pas italienne? Quel est mon diplôme? Bac S, bac STG, brevet. C'est ça ou pas? Même moi, je savais. La bac S? Mère. C'est bac S ou bac oh S? Oh là! C'est bac S, STG, non? C'est pas bac S que t'as dit? C'est normal que tu me prends pour un skeg ou quoi? Moi je me rappelle ce qu'il a dit la dernière fois. C'est bac S. Mais oui! Mais ouais, j'hésitais! Mais il y avait un S aussi là-dedans! Putain! C'est pas grave, ça fait que 2 ans qu'ils sont ensemble, c'est pour ça. Bon, quel est mon diplôme? Bac STG, bac L, BTS Compta. Ah, les couillards, terre! Putain! Et si je me trompe pas, c'est un bac ES qu'il a fait. Oh. C'est ça? Tu sais ou pas? Tu crois que je me la pète? Quelle a été ma première voiture? Une Twingo, un Scénic, une Coccine. Tu te trompes, maman. Ouais. Ma première voiture. Mini, une Twingo, une Clio 2. Clio 2. Qu'est-ce que je préfère chez toi? Oh putain. Ta gentillesse, ton honnêteté, ton humour. Je fais des fautes un peu, non? Oui, mon amour! À la fin de cette vidéo, un prof de français sera réclamé. Honnêteté. Mon amour, la honte. Qu'est-ce que je préfère chez toi? Du mettre son orthographe. Honnêteté. J'ai pas pu
Puis attends. Non, oh, non, non. Réfléchis, réfléchis là. Ce que je préfère chez toi, ta gentillesse, ton franc-parler, ton grand cœur. C'est ça. C'est permis de dessiner tout en plus. Bravo. J'attendais de voir la générosité. Parce que je sais qu'il aime bien, parce que c'est quoi mes qualités, ta générosité? Genre, je suis pas marrant. C'est cet homme qui me dit ta générosité. J'ai pas évolué. Ce que je préfère chez toi physiquement, tes jambes, tes cheveux, tes fesses. Ça, tu l'écris bien, mon amour. Ça, tu l'écris bien. Attention aux propositions que t'as dit, j'espère que c'est tout le bon. D'avoir dit. Tes cheveux. Ah oui, c'est vrai. Tes fesses, ton front. Va te faire enculer. Je l'avais pas vu ça. C'est ça ou pas? Ah, c'est ça. Ah, mes grosses fesses. Mes grosses fesses. J'ai une rush, mes grosses fesses. Ah non, putain. Alors, pour moi, quel est notre moment préféré? Mes 30 ans, Disney ou nos escapades camping? Je pense parce qu'on a appris le sexe du bébé. Bravo. Le moment préféré, pareil, la même question. Non, un an en Turquie. Mais attends, c'est qui a préféré, là, toi ou moi? Moi. À toi, d'accord. Mon premier anniversaire, depuis qu'on est ensemble. Ouais. La première fois que je t'ai dit je t'aime. Oula. Moi je dirais ça parce que c'était très très émouvant. Oui, mon amour. Ça c'est touchant. On retient le truc touchant. Alors mon sport préféré hors football. Oh non. Natation, basket, tennis. Non. Ah oui. Ah bah si. C'est ça. On écrit basket. C'est pas ça. Ça y est, vas-y. Bah alors tu te fous de ma gueule ou quoi? Vas-y. Quoi? Tourne le panneau. Ah, je vais m'expliquer tout de suite. Mais tourne le panneau. Pour le nouvel an? Ah oui. Pour le nouvel an? J'ai basket. Pour non, le nouvel an? Bouge pas, j'explique. Déjà, à chaque fois, tu achètes des débardeurs dégueulasses de NBA et tout. J'en ai acheté que NBA, pour le nouvel an, parce que ton thème, c'était Amérique. C'est quoi? Ne me dis pas que c'est le tennis. Mais quel mytho. Je t'ai jamais vu qu'une raquette. La seule fois qu'il y a eu une raquette, tu m'as dit oh, je l'ai pris à mon père pour dans le garage, ça fait 3 ans qu'on habite là. Tu as pas utilisé une seule fois la raquette, tu fous de ma gueule. C'est un mytho là. Non, on refait. Non, B, pour de bon. Mon amour, on peut égaliser. Pourquoi hors football? Parce que c'est trop facile. Mais ouais. Même question. C'est la même question. Ouais. Mon sport préféré hors football. Concentration. Ne me touche plus, ami. Le tennis. La boxe. Le basket. Bah, y en a un que tu pratiques de temps en temps. Le tennis, le basket ou la boxe? Non, moi j'ai le cœur de palpite et tout. Le basket. Je joue ma vie, non. Franchement, tu regardes jamais ni l'un ni l'autre, j'en sais rien. Moi je vais dire celui que tu pratiques, je sais pas. Ou alors je voulais dire basket, mais je me suis trompée. Oui, Loris. Ben oui, parce que quand on aime un autre sport, on le pratique. Voilà. Ben oui. Tu regardes le tennis? Non, mais allez, c'est bon, j'irai de jouer, moi. Allez, généreuse, mais hein, pas conne quand même. C'est pas possible, on est 7-7 là. Alors, ma destination de rêve, Tahiti, Dubaï, Zanzibar. Oh, j'ai perdu, c'est sûr. Allez. Franchement, j'espère que c'est ça. Hein. C'est ça. Allez, mon amour, t'es prêt? Je sais pas, tu vas pas t'aider. Hein. Quelle est ma destination de rêve? Tahiti, Zanzibar, New York. En gros, c'est le rêve de ta mère d'aller à Tahiti. Mais est-ce que c'est la même chose? Attends, Tahiti, New York et quoi? Zanzibar. Non, tu m'as jamais parlé de Zanzibar. Mais il m'avait pas parlé de Zanzibar. Mais... Quoi, je veux dire Tahiti parce que c'est le truc avec ta maman, parce que c'est celui que j'ai entendu le plus. Bravo, mon amour. Elle a des bisous, elle. Dernière question. Elle a des bisous, elle. Des bonbons. Moi aussi, je réponds bon. Mais tu ne préfères pas la générosité, chérie. Alors, mon film préféré, Tekken, Que justice soit faite, Creed. Non, là, par contre, je l'ai. Cette question, on l'avait déjà faite il y a longtemps. Et t'as répondu quoi? Mais c'est le mien. Mais vas-y. Mais c'est mon film, Que justice soit faite. Mais c'est mon film. Depuis quand Que justice soit faite, c'est ton film, c'est le mien. Le mec a zéro personnalité. Creed, tu le regardes en anglais, tu regardes le 2, tu regardes tout. Non, là, c'est grave, là, c'est très grave. Non, Loris, non. Non, mais bientôt tu vas me dire, c'est quoi ta couleur préférée? Du coup, tu vas me dire le rose. Voilà, ça, rien à voir. Juste, c'était bleu, c'est bien. C'est pas mal. Que justice soit faite, c'est ton film préféré. C'est mon film préféré. Non, allez, c'est bon, ne me parlez pas. Allez, même question. Chérie, quel est mon film préféré? Rocky, N'oublie jamais, Avengers. N'oublie jamais. Bravo, mon amour. On a gagné la première manche. Vous aviez dit, vous avez...
étiez mis en deuil. C'est honteux. Donc c'est parce que ça commence maintenant. C'est honteux. Donc, allez. Première manche. C'est pour nous. C'est pour nous. Ils sont où les 7 ans? Et ils sont où? Ah bah je t'ai pas demandé. Ils sont avec que justice soit faite. Oh putain. La pression est sur nos épaules. Ouais, ouais, je la sens. 1, 2, 3. Ah, c'est bon, c'est nous qui commençons. Allez, vas-y, mon ami. Round 2. Fight. Question numéro 1. Qu'est-ce qui me plaît le plus chez toi? Oh putain, il est rentré dans le dur, con. Que tu es à l'écoute, que tu en fais parfois un petit peu trop, que tu es drôle. Oh putain. Oh putain. Allez, mon amour. À l'écoute. Ah, non, non, non. Oui. C'est cucu, mon jeune. La jalousie. Allez, allez, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus chez toi? Que tu es attentionné. Rien, non, pardon. Que tu es attentionné, que tu fais les papiers ou qu'on peut compter sur toi. Ah, il est gaucher. Ouais. Compter sur moi. Oui, mon bébé. C'est ça. Ma parole est la mie, tu fais les papiers, tu te fous de ma gueule. Mère, c'est incroyable. Mais c'est pas incomptable. Mais si. Oui, il a fait le. T'es une escroc. Attends, les papiers, tu sais, comme c'est la bombe d'avoir un mec qui fait les papiers. Question 2, qu'est-ce qui me plaît le plus chez toi, mais physiquement? Oh putain. Ton visage, tes fesses ou ton torse? Mon. Mon fesse. Parce qu'elle me dit tout le temps que je suis beau. En même temps, quand elle me voit torse nu, elle me dit que je lui plais. Mon visage. Oui, mon amour. Heureusement que c'est ton visage, putain. J'ai eu peur, sa mère. Moi aussi, j'ai eu peur. J'allais remettre en question toute le ma vie. Le torse avant le visage. Tiens, moi aussi, si j'aime bien ton torse. Pas bien. Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus chez toi physiquement? Tes fesses, ton torse ou ton visage? Du coup, j'ai mis vraiment les mêmes trois. Et mon bébé, je fais pas de bisous sur ça. Ah, je les fesses. Mais je savais que t'es dit qu'il allait se tromper. Ah là, toi aussi. Mais ça va pas ou quoi? Elle vit pas avec tes fesses. Mais ouais, ouais, mais parce qu'il moi a non des plus, fesses, pas avec ses fesses. J'ai envie de les taper tout le temps. Moi aussi. Moi non plus, je suis pas avec tes fesses. Mais tes fesses comment si elle. Ah non, je te dis bien que son visage quand frère, même. Frère, énerve-toi toi aussi. Ah, t'as la misère tout à l'heure là. Ignorance. Question numéro 3. Quelle est ma destination de rêve? Oh putain. La Chine, Canada, Zanzibar. Ah, moi je me prends avec Canada, que c'est un foutre Canada, frère. Vas-y. Bon, il t'arrive. C'est bon. Bravo! Ouais! Quelle est ma destination de rêve? Miami, Canada, Las Vegas. Il a même pas hésité. Il a mis direct avant les propositions. Las Vegas. Oui. Question numéro 4. Question piège. Oh putain! C'est une question piège. Oh, voilà, ouais. Quelle est ma plus grosse peur? La foule, les araignées ou les mantes religieuses? Oh putain! Ah ouais, la foule, les araignées, la mante religieuse. Bon, la mante religieuse, non. La foule et les araignées, c'est deux choses qui se flippent de ouf. Mais les araignées, c'est tout le temps. Et la foule, c'est un peu contrôlé. Les araignées, ça lui tombe dessus. Vas-y, je vais mettre Spider-Man. Hein. Tell everyone to hang on! Araignée. Ouais. Yes! Ah, non, non, non. C'est ça. Kuni, ma femme. Bon. Ma plus grosse peur. Les araignées, la mort, les éclairs. Il a répondu sans réfléchir. Truc dur, elle me dit. J'ai un but trop fort. C'est la mort. Ah ouais. Prochaine question. Elle est un peu piège, celle ancienne. Celle-là, c'est. Faites que des questions pièges, bordel. Eh ouais, mais voir si vous nous connaissez bien, mon amour. Vas-y. Quel est mon plat préféré? La tomate mozzarella, la patate douce avocat, oh, la salade César. Oh là là. Mais tu aimes les trois. Tomate mozza, patate douce. T'adores le faire, mais c'est pas ton plat préféré. Salade César, c'est ce que tu prends souvent, mais en deuxième choix. D'abord, c'est tomate mozza. Tomate mozza. Non, non, non. C'est quoi? C'est la patate douce, l'avocat. Mais non, amour, mais non. Mais si. T'as vu, je t'ai dit, va se tromper. Je mais mon amour, quand tu vas au resto, tu demandes pas les patates douces. Est-ce qu'il les font pas? Eh oui, mon amour. Alors, mon bébé, quel est mon plat préféré? Commence pas, l'intonation et tout. Je stresse parce qu'il va se tromper, putain. McDo, pâte, tomate burrata. Ah, frère. Elle aime les trois? C'est pas elle aime, c'est elle. Elle démonte les trois.
Tomate burrata, elle en a bouffé tout l'été. McDo, elle en boufferait toute l'année. Eh, les pâtes, tu sors plus. Mais des panzani. Flitchik, il allait se prendre. C'est quoi, attends? C'était ton mais ça va, tambour. Mais tu manges que l'été, ça. Mais parce que c'est que l'été, bébé. Mais ouais, mais l'été, c'est deux mois. Non, mais choisis, je préfère la tomate burrata. Donc, en décembre, je te sors une tomate burrata, tu la manges normal. Si la tomate, elle sort du jardin, y'a pas de problème. C'est fini McDo. Que des tomates, en même temps. Tu te demandes au McDo, tu ramènes une tomate. Je te prendrai les tomates cerises à McDo. Les tomates burrata, je préfère quand même la burrata avec le pompé aux olives. Prochaine question. Mon odeur préférée. Vanille, monoï, coco. Monoï. Oui. Oh, mon odeur préférée. Monoï, vanille, fleur de coton. Oh putain. Mon oeil, c'est mort. Vanille, c'est ton parfum. Et fleur de coton, c'est les bougies que tu kiffes. Bravo, mon amour. Vanille. Oui. Mon amour, j'adore mon oeil, ça va pas ou quoi? Non, mais c'est pas un truc que tu kiffes de ouf. Mais si, ça sent trop bon. Ouais, mais tu le mets pas ni dans les bougies, ni dans le parfum. Déjà, j'aime bien. C'est vrai, j'ai vu. Alors, mon dernier achat. Un eyeliner, un truc sur Amazon ou un ensemble à Zara. Je l'ai vu, le seul Zara. J'ai vu que l'emballage. C'est moi qui l'ai jeté. On a traîné les indices. Mon dernier achat. La maison des chats, du maquillage Martine Cosmetics ou Amazon? Oh putain, la maison des chats, c'était il y a quelques jours. Normalement, le maquillage Martine, c'était ce matin. Make-up. Bravo mon amour. Oh, putain, est-ce qu'il va s'en rappeler? Alors, c'est à moi. Ouais. Ce que j'aime pas chez toi, quand tu me critiques, quand tu regardes trop le foot ou quand tu es mauvais délire. Mauvais délire. Bah, là, par contre, j'allais rester assis. Elle allait te battre. C'est quoi un mauvais délire, ça veut dire c'est, quoi je me dis, c'est bon, tu es mauvais. En fait, moi, je suis quelqu'un de très. Pas joyeuse, mais il faut toujours qu'il y ait de l'ambiance. Enjoué. Voilà, enjoué. Et Loris, des fois, il a des moments où il est moins enjoué. Mmh. Et en fait, je trouve qu'il est mauvais délire. Alors, je dis, c'est bon, tu es mauvais délire comme gars, Joe. Tu rigoles pas, tu es pas drôle. Et voilà, et... Ah ouais, ok, tu en mets plein la gueule, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Ce que je n'aime pas chez toi. Oh putain. Ton côté too much. Ton temps à te réveiller le matin, parfois ton côté trop gentil. Sensation. De ouf, même. Trop gentil. C'est bizarre, hein, on dirait que c'est pas un défaut, mais c'est abusé, mon amour. Ça peut l'être. C'est un défaut, bravo mon cœur. Quelle saison je préfère? Automne, hiver, été. Il a trouvé direct. Été. Oui. Avec la tomate burrata. Ouais. Et donc du coup, quelle est ma saison préférée? Automne, printemps ou été? Tu pouvais toute l'année, ça serait l'été, tu serais contente. Mon plus gros défaut, l'impulsivité, être au centre du monde ou mon besoin d'attention. Oh putain. Et archi dur. Si là, ils se trompent, on gagne. Eh non, il faut que je réussisse, sinon ils égalisent. Ah oui, sinon ils égalisent. Si vous réussissez et que nous, on perd, vous égalisez. T'as failli faire la connerie. C'est quoi en fait? Mon besoin d'attention. Tout le temps. Ah. Allez, vas-y. Ok, mon plus gros défaut, impulsivité, la patience ou le besoin de parler. C'est vrai, tu parles beaucoup, mon ami. Mais c'est la patience. Bravo! C'est sûr. J'ai pas de patience. Je la connais par cœur. J'ai une grosse impulsivité quand même. Mais c'est parce que tu apprennes à se connaître. Nous, ça fait trop longtemps. Nous, on est des vieux. On s'est trompé quoi? Tomate burrata? Ouais, putain, bébé, oui. Manche remportée par... C'est nous! Un mec, une meuf. Putain, de voix de rocker. Round 3. Fight. Nouvelle manche. On va voir qui de nous deux est le papa le plus rapide. Bébé, ça fait caca. C'est juste du Nutella, mais genre j'ai... Ah oui, ça fait pipi. Super. Il n'y a pas de notre téléphone. Chérie, mise en bien sur les fesses surtout. Hein. Ça fait caca derrière, hein, bébé. Parce que là, c'est la pas jolie. Non, mais c'est pour hein. Pas en mettre sur la serviette. 3. 2, 1, let's go. Vas-y, bébé. Allez, allez, maman. Mets-toi la bien. Mais il part pas, le Nutella. Oh putain, j'en mets partout. Il faut qu'elle soit nickel. Eh ben oui, hein. Oh putain, c'est collé. Oh putain, la merde partout, c'est horrible. Allez, bébé, franchement, il est plus rapide que toi. Allez, maman. Non, pas comme un motif. Parfois, mon amour, c'est comme ça que tu poses notre fille. Ouais, à mort. Non, mais à mort. Là, tu as fait une. Qu'est-ce que tu fais? C'est que ça a la tête.
Ça fait une minute là. Allez, allez, chérie, la fini. Allez. Il nous scratch. Allez, allez vite, vite. Eh, y a pas de scratch là. C'est bon. C'est fini. Il a rigolé et tout. Prends ton temps, c'est pas grave, fais-le. La bulle, ma mère. Il a foutu son bébé sur la tronche. Prends ton temps. Prends ton temps, mais fais les choses bien. On revient demain ou quoi? On peut pas finir sur ça. Tu as foutu ton gamin sur la tronche. N'oublions jamais ça. Lui, lui a mis la petite crème hydratante. Mais c'est parce que. La crème hydratante. C'est fait comme un charognard. Regarde-moi comme elle est belle et tout. Regarde mon bébé comme elle est belle. Rigole, c'est de ta gueule. Regarde là. Bon, j'ai été plus rapide, mais j'avoue, je l'ai mis sur la tête quand même. J'avoue que tu l'as mis sur la tête, mon cœur, on peut pas gagner là. Mes réflexes ne sont pas affûtés. C'est pas bon. J'ai perdu. Donc, on va dire qu'on a été plus rapide, mais il a été plus doux. Donc, faute grave. Et je tiens quand même à regarder comment il pense que son enfant va tenir. Regarde le mien. Hey. Parce qu'il est plus éveillé le mien. Non. Pas bien. Bon, du coup, on te laisse gagner là, mon cœur, parce que tu as mis John. Eh merde. Ça va, bientôt, il fait quoi? Non, c'est bon, non? T'imagines, Miskine? Mais en plus, personne n'y regardait. Moi, je voulais faire, je dis, mais sérieux? La fête comme ça? Donc, les gagnants sont... Bah, quand même. Ok, c'est pas grave. J'allais dire à Romain, c'est pas grave. Bravo, mon amour. C'est pas grave. Tu n'as pas annoncé le prénom, quoi? Non. Non. Round 4. Fight. Dernière manche, pendant une minute, le couple perdant là-bas derrière va nous poser des questions pour savoir si je connais bien ma femme. Attends, je me concentre. 3, 2, 1, top. Alicia, tu connais ta ville de naissance? Oui. Martigues. Le prénom de ta grand-mère paternelle? Oui. Mamie Jo. L'âge de ta soeur? Oui. 32. Tes études? Non. Ta fleur préférée? Oui. Fleur? Rose. La race de chien préférée? Oui. Canet corse, bulldog, canet, bulldog, bulldog français. T'as pas une chaussure? Oui. 39. Ton actrice préférée? Oui. C'est Wonder Woman. Ta première voiture? Non. Quelle classe tu as redoublé? Non. Ton alcool préféré? Oui. Vodka. La dernière couleur de tes ongles? Bah oui. Blanc. L'objet que tu prendrais sur une île déserte, c'est la chose que non. Tu prendrais sur... ton ascendant? Oui. Lion. Top. Cancer. Capricorne, mon amour. Ascendant? Oui. Capricorne, ascendant. Ça, je savais pas ça. 3, 2, 1, top. Isa, Loris, connaît-il ta marque de cigarette? Oui. Marlboro Light. Connaît-il ton joueur de foot préféré? Oui. Messi. Connaît-il ton humoriste préféré? Oui. Bon, passe. Passe, putain. Connaît-il ta marque de make-up préférée? Oui. Connaît-il ton nombre de kilos pris depuis le début de la grossesse? Oui. 9. J'en sais rien, moi. Connaît-il ton bijou préféré? Non. Connaît-il ta tenue préférée? Non. Connaît-il ton nombre d'enfants souhaités? Oui. 2. Connaît-il ton nombre de cousins? Oui. 0. Connaît-il l'âge de ton frère et l'âge de ta sœur? Oui. 14 et 25. Non. Connaît-il la classe que tu as redoublée? Oui. Seconde. Connaît-il ton animal préféré? Oui. Chat. Connaît-il ton plus gros complexe? Oui. Ton poids? Connaît-il ton fruit préféré? Oui. La pêche? Connaît-il ta fleur préférée? Non. Je vais dire le nombre de bonnes... Nous, on en avait combien, nous? Combien de bonnes réponses? 7. Et t'as posé combien de questions? 14 questions. Merde. Combien de bonnes réponses? 7. Ok. Oui, mais parce que des fois t'as dit non. Des fois t'as dit non. Ah, oui, oui. Oui. Moi j'ai posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 questions. Combien de bonnes réponses? Ça me vénère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais! J'ai le mort. Vous êtes mort, la vie de ma mère. Je vais prendre 3 jours pour réfléchir au texte. Vous êtes mort. Je vais faire des rimes dans le texte. Il va durer 8 minutes le texte. Je vais le mettre dans mon testament le texte. Vous êtes mort. Oh my god.
Non, 9, c'est ce que j'ai pris en... avant. 9, tu n'as pas le temps. 7 ans, ils nous ont dit. 7 ans. 7 ans et demi, en fait. En vérité, c'est 6 ans et demi. On a 5 ans d'avance. C'était plus compliqué. Voilà, je ne calculais pas au début. Pendant au moins 6 ans. Quelque part, ça fait 6 mois. Ah, mais c'est en avance, alors. Ça m'énerve. Je le démonte. Comment je vais lui faire la misère? Rendez-vous sur Instagram, vous allez rigoler. Donc le gage, oui, c'est qu'ils doivent faire une vidéo où on va leur donner un texte à dire. Bien évidemment, ils vont faire ça comme si c'était super sérieux et super spontané, naturel. Ouais. En disant des belles choses. On n'en dit pas plus, du coup, et les gens verront le gage sur Instagram. Vous n'êtes pas prêts. Bon, voilà, on va savourer la victoire. Putain, quel plaisir! Mais quel plaisir! J'ai persuadé qu'on allait perdre. Vraiment, je me suis dit, on va perdre. Bon, ouais. Bah, Enzo, on s'est fait ruiner tout le long. S'il n'avait pas mis sur la tête, excuse-moi, on aurait tout perdu. Genre. Ouais. Voilà. Pourquoi? Je rappelle, à cause de mon film préféré. Gendouzi, tu as hésité avec Gendouzi? Ça va, elle appelait Genzougi depuis le début de la saison. Il y a deux matchs, elle a appris son vrai nom. C'était Genzougi. Genzougi, allez, Genzougi. Oui, mais il y a écrit Gendouzi dans le nom. Neymar, je peux pas me le voir. Non, je dis Messi en plus. Voilà, t'as dit le tien en fait. Voilà. Lui, il a mis toutes ses réponses à lui, genre. Quelle est ta couleur préférée? Moi, c'est vert. Combien de kilos elle a pris? 9. J'ai paniqué. Kilo. Après, tu me diras, il ne sait plus où donner de la tête avec tous ces kilos pris, ma faute, c'est plus finalement. Tu sais pourquoi je suis content? Parce que je sais que dans quelques années, quand nos enfants respectifs regarderont cette vidéo, ils sauront que vous êtes des parents pas très stables. Dit-il, le mec qui met son fils sur la tête. Ah, bon, alors, papa, il va progresser, je te jure. Papa, il va progresser. Grâce à cette vidéo, tu reproduiras pas ça. Voilà, j'ai appris. Sur la tronche, quand même. J'avoue. Ouais, moi, je m'arrête. Oui, c'est vrai, non, franchement, c'était bien. Non, c'était cool. Ouais, moi, je propose la revanche. Ah oui. Vas-y, on va réfléchir à un concept. Mais on va réfléchir à un autre thème de vidéo. Ok. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on refasse une vidéo avec Isa et Loris. Et donnez-nous des idées en commentaire de vidéos qu'on peut tourner. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Mettez des pouces, mettez des likes. Encouragez-nous. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. Vous avez tous nos réseaux sociaux aussi dans la description. Tu fais des doigts, là? Tu es Mr Bean? Tu l'as vu, Mr Bean? Quand il fait ça, comme ça. Ça, c'est pour tous ceux qui mettront pas les pouces. Ben, je vous mets les doigts. Quoi? Si tu mets pas le pouce, tu mets pas le pouce, tu mets le doigt. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Surtout, activez la petite cloche parce qu'à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo, vous recevrez une petite notification. Une comment? Une notification. Une petite qui... Quoi? Une notification. Une petite notification qui fait ting. C'est ça que je voulais dire, je n'aurais pas. On remercie les perdants. N'oubliez jamais ça. Vous voulez jouer? Je change de couche comme ça. Okay. Jamais. Chauffez-moi, tu vas voir la vidéo. Bon, du coup, on va finir sur Isa qui remet les chaussons. On se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. On vous embrasse. Bisous. Ciao. Ah, mais super. Et ouais. Putain de talent, on va plus le voir. Ouais, faut que t'écrives là. Pourquoi la connerie? C'est normal, j'ai le stress. Mais oui, moi aussi, je m'angoisse. Il va pleurer et tout. Aïe, je voulais sentir si je transpirais déjà. Loris va dire, maman, Alicia. C'est très mal expliqué, c'est pas ça. C'est ça. C'est un peu comme les amours. Et alors? Ben. C'est pas ça. Chérie, t'es tellement fatiguée. Que bon, tu t'abstiennes. Alors, nous, on prépare nos petites questions. Alors, quel est son film préféré? Ouais. Allez, ok. À nous? Mais non, à eux. Oui, mais c'est nous. Mais nous, on va leur dire. Quel est ton film? Donc, c'est mon film préféré. Je dois mettre la réponse du mien de film préféré. Vas-y. Mais non, c'est. Vas-y. Attends. Mais non, c'est à lui que tu lui demandes quel est son film préféré. Eh oui. Chérie! Ouais. C'est mieux. Non, parce que c'est mieux parce que tu peux venir, s'il te plaît? Tout le monde perd 3 quarts d'heure. On prépare les questions là. Ouais. C'est des questions sur vous ou sur nous? Sur vous? Eh ben oui. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle a raison. Alors, quel est ton film préféré? Mais moi, j'en ai pas. Ah oui, oh. Les gars, je fais pipi très facilement, moi. Ouais. En fait, je me rappelle dans les amours. On va pas y arriver. Non. C'est trop con. Bon, meuf, on n'a pas trouvé une question encore. Bon, alors. J'ai dit, qu'est-ce qui te plaît le plus chez moi? C'était ça? Non, je crois que c'est toi. C'est ce que... Je vais faire pipi. Qu'est-ce qui se passe tout ça?
On met les mêmes. On va pas mettre les mêmes. Et on va mettre les mêmes. Meuf, heureusement, on en est à la première question. C'est grave, c'est trop grave. Qu'est-ce qui me plaît? On va acheter un appart. Chez toi. Putain, moi, il y a plein de choses qui me plaisent. Qu'est-ce que je mets en numéro 1? Ben moi, je voulais mettre tes fesses, mais sans dire que c'était ça. Pour de bon, c'est les fesses. Avec non, ce qu'il y a. Non, justement. Ah. Je voulais mettre les fesses dans mes propositions, mais il est capable de le dire. Parce que tout le temps, j'y tape le cul. Ah. Et je mets tes attentions. Je te jure que s'il met tes attentions, je le démonte. Parce que tout le temps, j'ai dit, j'ai pas attentionné. Putain, mais moi, il a plus de qualités que de défauts. Hein. Oh, il en a beaucoup. Moi, non. Mais tu verras, au bout de 7 ans, on se rend compte qu'il y a plus de défauts que de qualités. T'es sympa. Putain. Je me mettais économe. Franchement, je dresse un portrait archi chiant à mon gars. Je vais lui mettre, tu fais mes papiers. Sur ma mère, il fait trop bien les papiers. Eh ben voilà, fais les papiers. Je fais les papiers. Si, mais tu fais les papiers, il va vraiment me prendre pour une colosse. Qu'est-ce qu'il y a un truc qu'il fait pas ou qu'il fait que j'aime? Bah, il est pas rassurant. Si, très rassurant. Mon chéri, il est tout très, très bien. Eh ben alors, c'est... Tu es trop. C'est beaucoup trop. Mais je vais mettre tes droits, le poutin. Ben oui, c'est trop important, mec. Je crois déjà à 10 minutes. Ouais, c'est déconné. Allez. La deuxième, physiquement. Physique. Ah ben moi aussi de ouf, je le batte de ouf. Enfin mon chéri. Mais ouais. Ah oui, je me doute, c'est ah ouais, le chéri. Oh putain, mais franchement, il y a plein de trucs qui me plaisent chez lui. Hein. Donc, je mets le sourire. Gros. Moi aussi, je mets le sourire, mais parce que je pense que c'est ça, moi. Moi tu c'est peux ça. Écrire sans gag ou pas? Oui. Non, bien sûr. Il y a que toi qui le connais, et après on te fait confiance. On te fait tous confiance. Hein. Imagine, je le mets pour te prendre. Et lui, il dit ta bite. Tout fier, c'était pas ça. Vous avez fini? Moi, oh, putain, bah, pas du ah tout. Ah non, mais non, on est là, bon, on est là, voilà. J'en ai tout. Troisième question. Troisième. Eh ouais, on est long. On finira après. Ah bon? Ah oui. On le cache. Ah, oui. Putain. Eh oui, ouais, bah, vous êtes pas très inspirant. Oui. C'est cucu, mon jeu. Je fais des fautes un peu, non? Oui, mon amour. À la fin de cette vidéo, un prof de français sera réclamé. Honnêteté. On ira.